Quelqu'un qui se détend et qui se redresse. Il va tout simplement plus lui-même face à n'importe quelle situation, étant plus lui-même à son service, vont se manifester le ou les moi adaptés, oui, évidemment. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important de se détendre, de se redresser, ou de se redresser, de se détendre, et puis de regarder. Encore en contact avec le monde extérieur et en contact avec ce qui naît de l'intérieur. Cette présence à l'intérieur, se redresser, se détendre, ça c'est une base pour qu'une vraie présence se manifeste. Et à ce moment-là, on devient plus présent, plus ancré dans le présent, et sans aucun doute, une bonne solution, ou la meilleure des solutions va se manifester à travers l'un des moi, celui qui est adapté à la situation. Face à n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, redresse-toi, détends-toi, respire, ancre-toi. Mets-toi ancré et respirer, ça signifie se mettre en présence. Mets-toi dans la présence et agis. Toutes les ressources qui sont les tiennes seront à disposition parce que tu t'es redressé, détendu et ancré en toi. C'est aussi l'immobilité, le silence avant l'action. La situation s'éclaircit alors. Ce que tu dois faire s'éclaircit. Et toutes tes lubies et toutes tes histoires disparaissent. Et tu vois plus clair. Tu ne te redresses pas, tu ne te détends pas, tu ne t'ancres pas. En toi, tu n'essaies pas d'être dans la présence, respiration, sensation du corps, ton cinéma intérieur, tes considérations intérieures, tes rêveries, toutes tes histoires, tout ça, ça continue. Normal. Il faut que ton attention, elle soit redirigée. Et l'attention redirigée, c'est l'énergie qui est dirigée à un autre endroit que ce qu'elle entretenait juste avant. Face à un problème ou dans une considération intérieure par rapport à quelque chose, l'énergie va là. Toi, par un effort de volonté, tu te redresses, tu te détends, tu t'ancres en toi. Ça signifie que toute l'attention, toute l'énergie de l'attention est redirigée à un autre endroit. Et à ce moment-là, tu es toi face au monde, face à la situation. Mais plus avec toute l'énergie disponible et pas seulement l'énergie focalisée prisonnière de tes considérations ou du problème. Une nouvelle solution devient possible et un nouvel état surtout se met en place très vite. Il faut faire ça tout le temps. Il ne faut jamais hésiter à le faire, n'importe où, n'importe quand.